Bienvenue aux scènes créoles, bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé, parce que Pénanonien qui est plus précieux qui ou la santé. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser à un phénomène de société qui peut connaître un certain rajeunissement avec nos invités aujourd'hui, justement, l'on nous plateau, nous pouvons quitter comment et qui fait nous tous nous bizarre maintenir un bon la santé, mais surtout qui bonne raison. C'est-à-dire qui nous fait nous mange bien, quand nous disons nous mange équilibré, voyez, nous bisons boire beaucoup d'eau, nous bisons une bonne hygiène de vie. Donc nous pouvons ça aujourd'hui avec nos invités, Romina Oumani, qui est nutritionniste dans le ministère la Santé et Bien-être. Bonjour Madame Oumani. Bonjour Nathalie. Alors les 4 mars, comme toutes les années, c'était la journée internationale contre l'obésité. Dans Maurice, 19% population déjà obèse, alors ce qui est 35% de la population en surpoids. Pénaouken comprimé qui nous capable de boire contre l'obésité et pourtant, ena ban solution, ena prévention et traitement. Tout d'abord, peut-être, Madame Oumani, explique-nous qui était l'obésité. Donc, l'obésité, Nathalie, c'est simplement une accumulation de la graisse au niveau, sorry, une accumulation de la graisse dans les corps, une accumulation excessive, anormale de la graisse dans nos parties, dans les corps. Donc, comment on dit, Nathalie, donc, situation liée assez alarmante, donc, pas disant Maurice, mais en tient le monde, l'obésité liée à un phénomène que ça peut augmenter d'année en année. Par exemple, d'après l'OMS, mondialement conjugué, donc en 2016, l'OMS a fait une étude, il a trouvé que 650 millions d'adultes étaient obèses. Et concernant un enfant entre 5 à 19 ans, il y a 340 millions d'enfants qui sont obèses ou bien overweight. Et parmi les adultes, c'est 1,9 billion, c'est un problème de overweight. Et comment on fait que dire Maurice, connaît chaque année, pas chaque année, mais chaque 5 ans, le ministère de la Santé fait un survey. Donc, et au dernier survey, nous fait que faire, c'était l'année dernière, mais nous perdons un bon résultat. Et en 2015, quand nous faisons un survey, comment on dit au même, nous avons 54,2% de notre population souffrait d'un problème de surpoids. Alors, puisqu'il y a la moitié de notre population qui a un problème de surpoids. Et ben, les enfants aussi, côté ben, les enfants entre 5 à 11 ans, nous trouvons qu'ici, il y en a 7,8% qui sont obèses. Et en 2019, il y a une étude, comme on connaît, donc il y a un ministère de la Santé dans le domaine de l'école. Donc il y a une équipe qui est allée, donc il fait un screening pour les enfants grade 7, grade 9 et grade 12. Et en 2019, d'après ce rapport-là, le ministère screen 35 187 élèves. Et là-dedans, ils trouvaient que 10,7% étaient obèses et 13,1% étaient overweight, ben adolescents. Ça veut dire 23,9% ont un problème de surpoids. Et dans ces 35 187 élèves-là, nous aussi trouvons qu'il y en a 68 qui ont un diabète et il y en a 1076 qui sont prédiabétiques. Donc, c'est ça la situation à Maurice concernant overweight, obésité dans une population. Donc, c'est une maladie, enfin, c'est un phénomène, comme on peut dire, hein, l'obésité, l'OMS les qualifie de phénomène, mais nous cas à cause aussi de conditions de vie, hein, l'obésité. Donc, tout ça, un chiffre qui nous dit, nous là, finalement, nous perdons nos comptes que l'obésité, les pensées affaires qui. Comment dire, c'est un petit peu enrobé, comment le dire, ou bien un petit peu curly. C'est derrière tout ça là, il y a beaucoup d'angérosité et beaucoup de complications. On peut dire, nous, des enfants déjà diabétiques et prédiabétiques. Exactement, exactement. Donc, comment tu peux dire, moi, c'est quoi l'obésité? Comment tu peux dire, c'est une accumulation de la graisse dans les corps. Donc, il est accumulé dans sous nous la peau. Les subcutanés aussi, il est accumulé dans une partie, par exemple, dans la graisse viscérale, que nous pas trouvé, il entoure nos organes, par exemple, que nous les foies, que nous l'intestin. Et au fait, la graisse, il est stocké dans un tissu adipeux, comme on nous dit. Et ça un tissu adipeux là, ce rôle-ci, il n'est pas juste stocker la graisse, il aussi sécrète une certaine hormone. Mais maintenant, dans une personne qui est obèse, donc il a plus adipeux tissu dans les corps, et ça, il peut relâcher une hormone, bien sûr, et à la longue, ça même qui cause une complication. Il a débalance, et puis ce problème, par exemple, diabète, il développe insuline résistante.
sont qui ont diabète, ils débalancent aussi, comme serait les qui ont même un cancer l'intestin, cancer breast cancer, tout ça là lié avec obésité, même où on a commencé même maladie non transmissible comme hypertension, cardiovasculaire, donc tout ça là lié à l'obésité. Alors nous pour revenir un petit peu en détail sur tout ce qui vous pèse à nous là, Madame Oumani, les complications qui liées avec l'obésité, mais sinon, comment est-ce qu'un dimoni vous connaît qu'il est obèse? Parce qu'il a, il a déjà le mot obèse et puis il a le mot surpoids. Est-ce qu'il vous pouvez expliquer un petit guide quelle est la différence entre ces deux-là? Oui, bien sûr. Donc, d'après l'OMS, nous servis, et Maurice aussi, nous servis, comment nous dire, le BMI, Body Mass Index, et le Waist Circumference. Donc, comment nous calculons? Par exemple, pour le BMI, nous prenons le poids en kilos. Nous divisons par nos hauteurs en mètres. Par exemple, si un dimoni 80 kg et qu'il mesure, disons, 1,60 m, donc nous faisons 80, nous divisons par 1,60 m, nous redivisons par 1,60 m. Donc, si donc, la réponse, s'il est entre. S'il est, ici, les, disons, il peut dépasser, disons, les 31. Mm-hmm. Right? S'il dépasse 30, ça veut dire qu'il est obèse. S'il est entre 25 à 29,9, nous comptons comme overweight. Mm-hmm. Et s'il y a 18,9 à 24,9, nous comptons comme normal. D'accord. Nous comptons comme normal. Maintenant, ça, BMI là, il n'est pas pour trop applicable pour les gens qui font musculation, qui ont plus de muscles. Parce que ça nous peut guetter quand c'est la graisse, comment dire, il y a un surpoids. Mais si un gens qui font musculation, il y a beaucoup de muscles, le BMI là, il n'est pas par rapport à ce BMI qui a faux, mais il peut pas nécessairement qu'il y ait la graisse, il peut être dans le muscle. Mm-hmm. À ce moment-là, si nous avons le waist circumference, comment nous dire. Pour une madame, il ne pas dépasse 80 cm et pour un monsieur, il ne pas dépasse 90 cm. Mm-hmm. Donc, ça, c'est taux de taille. Un dimoni qui a pris un centimètre, il passe sur la taille et il peut connaître si pas effectivement plus que la normale. Et à partir du moment qu'il dépasse ça, un chiffre qui nous dit 80 points de madame et 90 points de monsieur, donc il a considéré que ça dimoni là, il est dans l'obésité ou il est en surpoids. Exactement. Et ça, si dimoni là, allons dire, il est mince, mais c'est le ventre qui sortit. Comment, ouais, donc comment ça aussi est assez ça? Dangereux. Ce BMI, il a évoqué, mais s'il y a la graisse beaucoup abdominale, ça aussi est dangereux. Qu'est-ce qu'il a la graisse abdominale dangereuse, Mme Oumani? Parce que l'étude a prouvé que si un dimoni a beaucoup la graisse abdominale, il y a plus sans développer problèmes de diabète et problèmes sur du cardiovasculaire. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il est important, même comme ce BMI est bon, mais si ce taux de taille est élevé, il a fait un effort aussi et c'est contrôlé. D'accord. Donc, ça, c'est par rapport à BMI. C'est un calcul scientifique, nous allons dire. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un nonier. C'est un calcul Body Mass Index qui tout le monde est capable de pratiquer, car faire, si vous avez envie de connaître, si vous êtes en surpoids. Mais il y a aussi peut-être un autre moyen de le savoir, Madame Oumani, c'est le physique. Donc, nous connaissons quand nous l'écho, par exemple, il paraît comme un petit peu plus enrobé, hein, surtout les enfants, nous trouvons, mais nous avons tendance à mourir, c'est-à-dire comme ça, plus un enfant, les ronrons, les boules, plus les œufs, en fait, c'est un petit peu ce qu'ils nous pensaient. Alors, ce qui est cave, vient dangereux après. Oui, bien sûr, comme les statistiques nous montrer, donc nous avons pas mal, les enfants qui ont un problème de surpoids, oui. Donc, ça, c'est nous pas faire ça calcul là directement. Donc, les enfants, c'est dans un growth chart, comment dire, nous guetter d'après ce growth chart, s'ils peuvent dépasser la ligne ou non. Donc, bien sûr, même des petits enfants aussi, c'est important. Nous besoin, au fait, comment la prévention là, ils viennent depuis petit même, ça. Ils viennent depuis petit même. Donc, depuis même dans le ventre de la maman. Hein, donc, ça nous dit 1000 premiers jours de la vie. Donc, ça veut dire que l'étude est trouvée. Donc, si maman là peut manger équilibré, peut manger sainement, donc les enfants là aussi peuvent avoir moins risque de venir obèse. Souvent, des fois, ils disent non, mais qui fait des petits-petits? Moi, je viens obèse. À partir de là, ce n'est pas pendant l'adolescent mais pendant l'adulte. Donc, mais ça, les déterminer si maman là aussi a bien mangé durant sa grossesse. Donc, il y a un effet après aussi aux enfants. Donc, 1000 premiers jours de la vie, ça veut dire entre quand maman là, quand les enfants là, dans le ventre de leur maman, jusqu'à l'âge de 2 ans, ça est bien déterminant. Hein? C'est un bon repas équilibré, il est capable de diminuer le risque d'obésité après. Donc, Upero Zanou, l'obésité, c'est-à-dire une bonne santé,
une bonne vie, une bonne hygiène de vie, de commencer déjà dans ventre maman. Exactement, hein, exactement. Même aussi, ben, l'étude montrait aussi qu'ils n'ont pas juste quand une enceinte, même avant préconception aussi, si maman là mange bien, papa là mange bien, ça aussi les points succès ces enfants aussi pour naître en bonne santé. Par exemple, si la manne carence au niveau nutritionnel, les enfants là aussi qui ont un problème après. Donc alimentation, même avant conception aussi. Nous pouvons espérer l'occasion de revenir ici tout là, t'aller pendant l'émission. Donc, je me rappelle les téléspectateurs qui ont dit que le problème de l'obésité, c'est un phénomène qui peut gagner le monde et malheureusement, il est aussi présent dans Maurice. Mais il y a une solution, donc il y a un traitement, entre guillemets, c'est-à-dire prévention contre l'obésité. Nous pouvons ça avec nos invités aujourd'hui, Romina Oumani, qui est nutritionniste dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, Madame Oumani, qui est une cause même de l'obésité? C'est-à-dire se manger? Non, cause elle est multifactorielle. Nous, on a beaucoup de causes. Il y a pas hormonal, il y a pas génétique, même stress aussi. Donc, il y a des gens qui sont stressés. Peut-être une hormone qui relâche, par exemple, cortisol, il relâche plus. Donc, ça aussi, il est capable, par exemple, manger plus. À ce moment-là, il y a des gens qui se trouvent comme un comfort food. Ils sont stressés, ils ont tendance à manger un peu plus sucré, etc. Elle a une tendance à prendre poids. Mm-hmm. Et aussi, bien sûr, elle a la hygiène de vie, une mauvaise hygiène de vie. Ça aussi, bien sûr, pour contribuer à l'obésité, pas peut manger sainement. Et assez fait l'exercice. Donc, bien sûr, ça lui peut contribuer. Mais à part d'alimentation, il y a les autres problèmes comme hormonal, génétique, ça aussi, ils ont un rôle. Et nous pouvons revenir la question de l'alimentation, hein, Madame Oumani. Vous pensez nous pouvons consacrer une bonne partie de l'émission aujourd'hui, hein, la façon qu'ils nous aiment manger, parce que très souvent nous disons 5 fruits et légumes par jour, nous visons boire 2 litres d'eau par jour, nous visons faire 30 minutes d'exercice par jour. Donc nous pouvons tout ça là avec vous. Comment est-ce que tout ça même petit conseil là, enfin même le cas, un grand conseil capable de sauver nous la vie. Mais avant de continuer, à nous faire une pause musique. Et nous revenons tout de suite après avec vous ici, l'enceinte créole. Maman préfère glisser, mais glisser, aller. Pour qu'il m'en capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route dans l'honnêteté. Mon envie vivre dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Beaucoup causé Willow, mon Suzy a pu inventer. Beaucoup ragout et mban, fausse rime a pu raconter. Ce tapé fait tout pour se t'attaque moi. Pour qui en zou, se trouve moi en bas. Qui l'intérêt, se tapé tiré. Quand je bien connais, côte la vérité. Mofine, casse un poste, mofine, prends les temps, mofine et DJ. Tout ban déroulement, sa ban manigance qui peut arranger. Si ce cas c'est noyau, je peux calculer. Après, vite, mettre de l'huile l'eau, j'y fais. Pour ma dièse, pas qu'on en y est. Autre passe pour bon, j'y vont tout liger. Maman préfère glisser, mais glisser, aller. Pour qu'il m'en capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Mon envie vive dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Maman préfère glisser, mais glisser, aller. Arrêtez, fatigue-moi. Et n'a qui vini pour créer la bagaille pour casser une menace. Et n'a qui attendre une faille pour lui vin mettre une brouillasse. Soit disant lila pour ma familia, ou soit un cam qui bien fait contre toi. Mais derrière tous les deux, on peut battre la colle, mais oui, amène mauvais rôle. C'est qui tout peut faire, mais oui, un zouli pour devenir l'autre. Pas croire qu'il est mal, il peut toujours la poli pour tes Asia kuma enzida, en ta kuzi oui en ta blabla. Ban mauvais l'esprit, mamo parle ça, mamo parle ça. Mamo préfère glisser, mais glisser aller. Pour qu'il m'en capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui dans l'honnêteté. Mon envie vive dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Mamo préfère glisser, mais glisser aller. Qui m'ont capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Mon envie vive dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi.
Les sont fin fait moi zo di ouvert mon lisier. Toute bonne action dans toute latitude fait moi réaliser. Les amis tout là pour te défendre moi. Tout y préfère toujours abaisse moi. Zis bon Dieu qui connaît quand zis mon pour venir là te pour bis un pays les frais. C'est ça tout comme la vie familiale brisée. Y'en a beaucoup qui finent suicidés. C'est ça cause toi. Premier problème qui finit aggraver. Tout bien mes négativités. Mon préfère dégaler pour me faire aussi. Mais mon préfère glisser, mais glisser, aller. Pour qu'il m'en capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Mon envie vive dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Moi, mon préfère glisser, mais glisser, aller. Pour qu'il m'en capable, préserve mon esprit en paix. Laisse-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Mon envie vive dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Vivre dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Laissez-moi aller. Laissez-moi faire mon la route, oui, dans l'honnêteté. Mon envie, vivre dans tranquillité. Arrêtez, fatigue-moi. Toi. Nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités aujourd'hui, Madame Romina Oumani, qui est nutritionniste dans le ministère de la Santé et bien-être nupécose, l'obésité, mais surtout les méfaits néfastes hein, qui l'obésité et na lor nous la vie en général. Donc, Madame Oumani, telle là, nous avons mentionné les enfants. Donc, l'eau, les enfants, qui sont les faits, qui conséquences na. Oui, donc. Pour mes enfants, donc nous remarquons donc si un enfant il y a un problème de surpoids tout ça, donc bien sûr il y a un problème, il y a un problème respiratoire, il y a beaucoup moins d'enfants se développent insuline résistance et à la longue se gagne diabète type 2, donc éventuellement aussi donc un problème sur le carré problème hypertension, elle est là bien jeune aussi donc il y a un problème cardiovasculaire. Et aussi, même les enfants qui ont un problème d'obésité ou bien surpoids, ils ont tendance, ils trouvent même l'étude qu'ils ont plus tendance à avoir une fracture. Donc c'est pour ça donc important même depuis le plus jeune âge même nous bisais essayer de contrôler beaucoup de parents disent ah non mais il y a encore des enfants là mais pas grave nous cas de tu sais qui il y a envie de ne pas contrôler l'alimentation mais au fait depuis petit même il est important qu'il gagne une bonne alimentation comme nous mentionnait il y a un mille jours de la vie donc allaitement aussi joue un rôle si maman là il allaitait pendant les 6 premiers mois il trouvait que ça lui diminuait l'obésité dans chez plus enfants là et même adolescents là. Mm-hmm. Donc allaitement, exclusif allaitement hein, maternel pendant 6 premiers mois. Mm-hmm. Et aussi, donc ça veut dire si maman là, si elle fait sévrage là comme bizarre, ça veut dire si après 6 mois, elle commence à connaître qui peut donner, manger comme serait adapté, approprié. Mm-hmm. Et non pas une commence sévrage là avant, et là, elle commence bien avant l'olien, l'un mois même peut finir, mettre bébé là encore un mois, elle peut finir une céréale. Mm-hmm. Donc tout ça définitivement, elle peut cause obésité, les autres problèmes de santé. Donc, si c'est vrai, j'ai une bienfait à partir de 6 mois. Après, d'une enfant, elle va y être mangé, elle va y être goût, elle va apprendre qu'une bonne goût, bonne fruit, tout ça. Donc, les enfants-là, pour développer ça, bonne goût-là, ils sont contents. Après, mais si depuis petit, même, nous donnons, ben, ça fait sucré, salé, même maternelle, même, nous disons, non, mais pas grave, nous donnons, tout, ben, ça fait sucré, salé. Là, quand ils viennent grand, ils pourront ça goût-là même et éventuellement, ils pourront. Redescendre manger là, elle est là, ça même qui peut contribuer à l'obésité, surpoids, etc. Donc, si depuis petit, vous finissez expliquer bien, donc, si, qui fait besoin de manger équilibré, qui fait besoin de manger fruits, donc, qui fait besoin de manger des légumes, donc, depuis petit, vous finissez comprendre. Et puis aussi, nous ici, nous un rôle, ben, tous les parents, c'est un rôle modèle pour les enfants. Donc, si nous ici, nous pouvons manger équilibré, nous pouvons manger ben, fruits, légumes, donc, les enfants là aussi, pour trouver qui, hein, OK, parents peuvent faire pareil, peuvent manger healthy. Donc, lui ici, il peut avoir tendance, mange healthy. Et là, ça lui peut diminuer l'obésité. Ça, c'est au niveau, disons, au niveau individuel que nous sommes capables, qui va nous dire qu'il faut qu'il nous a fait depuis petit même.
Maintenant, au niveau même, au niveau pays ici, disons, le pays où vous trouvez qu'il y a même pas beaucoup de santé nouvelle, ou bien ban gym en dehors, donc ça aussi pour aider pour diminuer le problème d'obésité. Au niveau ministère de la Santé, par exemple, à l'école, par exemple, il y a une school canteen qui nous fait, ça veut dire qu'il y a un aliment qui n'est pas supposé vendre, parce que tout ça, il peut aider les enfants, nous envie qu'ils enfants là, ils dans un environnement sportif, qui les connaît, qui est bon pour manger, qui peut encadrer les enfants là. Donc, c'est pour ça qu'on a le ministère, et c'est ban sa man affaire qui n'est pas trop nourrissant là, et à la place, ban man affaire qui est plus nourrissant. Par exemple, mes man boissons gazeuses, ban affaire trop sucré, trop gras, donc dans l'école, pas supposé vendre. Et puis, ministère de la Santé, c'est normalement man qui peut essayer de diminuer ban trans fatty acide. Et puis, le pain aussi, longtemps, le pain complet, c'est un peu plus cher qu'il donne. Maintenant, heureusement, man aliment qui, par exemple, pain complet, tout ça, il même prix. Donc, tout ça, il peut aider un petit peu pour manger un peu plus healthy et diminuer à la longue problème obésité, tout ça. Donc, ça, c'est ban. Ben moyen hein, qu'une cas met en place pour nous faire que ce phénomène-là est réglé, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup, comment dire, pression par rapport à l'alimentation. Et par exemple, ben parents même, des fois, choisir peut-être pour avoir des enfants à l'école et dans un dipin. Je ne pas mettre bien quelque chose qui est healthy. Peut-être que c'est trop facile pour eux. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que c'est à ce niveau individuel. Donc, nous, ici, nous avons fait des efforts, même à la maison aussi. Donc, un bon planning est important. Donc, premièrement, comment nous sommes capables de prévenir l'obésité? Bien sûr, comment on dit, nous devons manger sainement. Hein? Nous devons de nos enfants manger sain. Donc, qui ça veut dire mal manger sain? Donc, premièrement, chaque repas, nous devons équilibrer. Donc, repas équilibré, donc, dans plusieurs missions, nous a fait aller. Donc, il y a trois groupes d'aliments. Il y a besoin de sources d'hydrates de carbone, ça veut dire riz, pain, macaroni, céréales. Dans le même plat, il y a besoin de légumes et dans le même plat, il y a besoin de protéines. Et aussi, bien sûr, fréquence manger. Il est important de ne pas rater aucun repas. Hein, surtout quand au niveau ministère, on a besoin d'une causerie dans l'école. Donc, on nous demandait, par exemple, combien d'enfants peuvent prendre petit déjeuner. Donc, presque la moitié classe pas pour un petit déjeuner. Est-ce que c'est vrai ça, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Ça veut dire petit déjeuner est également important. Au fait, nous ne pas supposer sauter aucun repas. Donc, qui arrive par exemple si nous sautons petit déjeuner, donc les enfants là, ils ont une tendance à avoir faim. Elle est là, arrive à une dizaine, ils ont une tendance à grignoter, il n'y a pas de qui peut tomber sur cela. Mais donc, même pour nous ici, même un adulte, donc si nous mangeons mal, nous mangeons un pot qui ne fait pas nourrissant. Définitivement, ça peut. Augmentrice, il y a un problème de surpoids, bien obésité. Donc, et aussi, si pas manger aussi, nous trouvons qu'il y a un problème gastrique à la longue. Donc, ça veut dire qu'il est important de prendre un bon petit déjeuner. Ça, bien sûr, il faut empêcher mon plus. Parce que si on rate mon repas aussi, au bout d'un fait, on mange beaucoup après, ça aussi, il est capable d'améliorer un surpoids. Donc pour avoir la zone correcte, nous avons besoin de ces trois repas-là, les trois repas principaux. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, bien sûr. Et dîner. Alors, petit déjeuner, parce que très souvent, ben parents, je te pressé le matin sans culpabiliser les parents parce que je te dis, je n'ai beaucoup de choses à faire. Donc, qui vous conseille, nous, petit déjeuner? Est-ce qu'il nous a appris des affaires qui sont rapides, qui sont faciles ou bien nous bien assiser comment nous pour rêver, assiser mange, disons, céréales, fruits, yaourt, comment dire, un petit luxe, comment dire. Ça nous caresse ça pour le week-end. Mais est-ce qu'il nous bisait, comment dire, mettre l'emphase, là, le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Donc, petit déjeuner, qui nous a pas recommandé comme un moyen de bonnes céréales, parce que bonnes céréales, il est rempli de fibres. Même en étude, il trouvait qu'il y a une alimentation riche en fibres. Ça aussi, il y a une récit qui a diminué l'obésité. Parce que quand on mange beaucoup de fibres, ça l'absorbe de l'eau dans l'estomac. Ça aussi, il y a une coupe faim. Il y a l'impression qu'il y a faim. Donc, quand on dit nous, céréales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une céréale complète, ça veut dire qu'on peut manger une avoine, une oatmeal là. Oui, oatmeal, disons une carré de blé là, comme on dit. Donc ça c'est une céréale. Donc disons, on connaît traditionnellement Maurice, on mange du pain, du beurre, tout ça là, mais du beurre là, il pas trop healthy là, donc disons une fois par semaine, deux fois en modération. Mais si vous avez un privilège, comme il y a des affaires complètes, même disons du pain complet aussi, si vous pouvez manger, il est mieux, bien sûr.
Donc il y a plus de vitamines, tout ça. Donc en matin, il n'y a pas prendre du temps. Il existe peut prendre un tiré là, mais dans du lait, même une fois depuis la veille, même, on n'a pas fini. Il y a une préparation avec autres qui se fait même depuis la veille. Mm-hmm. Se fait comme un dessert, ce qu'on prend, ils mettent du lait, ou bien de chia seed, ou bien grain de lin, ils râpent des pommes, ils mettent des amandes. Donc les autres mettent au réfrigérateur. Donc en matin, elle a des gaillis. Même quand ils vont au travail, ils ont des petits bonnets, ce qu'on amène, elle a des mangelis. Alors, justement, à travers ben, l'émission qu'il nous fait ici au Sainte Créole, mais il y a l'occasion à faire un petit côté recherche, à le guetter, parce que des fois, nous sentons un peu concernés. Il y a pourtant qui nous donne l'exemple, hein, nous commençons par nous-mêmes. Donc, on trouvait qu'il y en a une haute, comment dire ça, haute mille qui est complet, parce qu'il y en a des qualités, il y en a, pas pour dire, pas faire publicité, il y en a une qui est white, haute, et il y en a une qui est whole. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai, ça oui. Roule là, les mieux? Oui, définitivement, les mieux parce qu'il y en a plus de fibres dedans. Mm-hmm. Hein, il y en a plus de fibres, il est moins raffiné. Plein d'affaires, il est moins raffiné. Il y en a plus de vitamines aussi, surtout pas de vitamine B. Mm-hmm. Il y en a plus de vitamines, tout ça. Donc, bien sûr, s'il est moins raffiné, il est plus bon même pour la santé. D'accord. Donc, quand on choisit aussi, même si on peut choisir haute mille, on a besoin de choisir les, ça veut dire whole, comment dire, complet. Complet. Mm-hmm. Et il y a les autres types de céréales, nous trouvons, juste pour faire une petite parenthèse, là, et il y a, comme tu disais, nous, il y en a avoine, mais il y a une lutte, il ressemblait, comment dire, ben, les petits, comment dire, ben, brown, comme ça. Ouais, qui était ça, ben, haute brown, qui était oui, ça? Donc, tout le monde serait encore pégété, donc, les bizarres, comment dire, quand on pégété, si les céréales, là, il y a bas chocolaté, beaucoup de chocolat, beaucoup de disque. Donc ça définitivement il pas bon. Il pas healthy. Mm. Donc pour nos enfants, on connaît donc on peut dire mon céréales, j'ai tendance à dire oh, je prends mal ce qui est chocolaté, ça il est trop doux, donc définitivement il pas pour diminuer risque problème obésité. Donc nous avons des céréales c'est qui plein. Donc que pénadisique dedans, donc là ou qu'on ajoute ban fruit ou qu'on ajoute ou banane ou carap ou pomme, ça il plus healthy. Alors quel est le meilleur moment madame Omani pour manger un fruit? Donc, il y a un moment spécifique. Donc, l'OMS a recommandé qu'il nous prend donc 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Mm-hmm. Donc, il dépend. Donc, elle recommande de manger 2 à 3 fruits par jour. Il est OK. N'importe quel moment de la journée, oui. Même le soir, ou bien c'est plus au petit déjeuner? Non, n'importe petit déjeuner. Ça veut dire qu'il est équilibré. Disons, on peut prendre aux céréales, on peut prendre. Ou quand manger un fruit pour faire l'équilibré. Mm-hmm. Donc, même midi aussi, si on finit de manger, ou quand prend, au lieu de manger une grignotée d'affaires sucrées, un petit gâteau, tout ça, bien sûr, quand on prend un fruit, il est plus nourrissant, il permet de nous avoir des vitamines, des sels minéraux. Surtout, même s'il y a un fruit local qui nous peut gagner, là, il est plus riche en vitamine C, tout ça, donc il est mieux. D'accord. Donc, ça, c'est pour le petit déjeuner. Donc, il est bon de nous tout ça, même d'état là, il est important qu'il nous comprenne ça. Donc, même, allons dire, si nous peinons vraiment les moyens, nous capables prendre la moitié du pain si nous capables du blé hein? Et nous mangeons ça avec une tasse de thé, nous mangeons ça avec un fruit disons hein, nous guetter et il est bon pour le petit déjeuner. Maintenant le déjeuner, qui nous besoin de manger? Donc déjeuner donc pareil comme on s'est dit, il besoin équilibré donc il besoin aura 3 groupes d'aliments là, une source de protéines soit poule, poisson, grain sec, une source d'énergie soit du riz, du pain avec besoin bien sûr dans les légumes. Donc, et puis aussi, ben, comment dire, pour les enfants, même 10 heures, si un goûter est recommandé, c'est quand même un petit pain ou bien un fruit. Parce que même pour les diabétiques, même pour une personne qui a envie de contrôler son poids, nous pouvons dire qu'il ne fallait pas les rater le repas. Mm-hmm. Hein, donc, on nous dit si les rater le repas, les là qui arrivent, nous avons tendance à faire beaucoup de sel coûte. Hein, surtout même pour un diabétique, il rate le repas, les là qui mangent beaucoup de sel coûte, ce diabète monté. Donc, même une petite collation, donc petit déjeuner important, 10 heures, les enfants qui mangent encore une petit pain à l'école. Par exemple, si un nounou sédentaire, nous avons mangé un fruit, nous avons dépensé midi ou déjeuner. Même pour le goûter aussi, il y a besoin de healthy snack. Donc, le snacking aussi est important. Puis, ça connaît un snack qui est nourrissant, surtout nous, de nos enfants. Il y a besoin de snack qui est nourrissant, qui peut donner des vitamines, sels minéraux, protéines, c'est pas caché. Il ne fallait pas avoir un snack qui peut donner des empty calories, comme on nous dit. Ça veut dire qu'il peut donner des bonnes calories, il est trop gras, il est trop sucré. Donc, ça, éventuellement, il fallait prendre poids. Donc, à cela, pas plaisir, pas manger du tout. Disons, une fois, les temps, on peut manger un chocolat. Pas un chocolat, il n'est pas fait prendre poids, un seul jour, mais la fréquence qui est importante. Si tous les jours, on mange des choses unhealthy, c'est ça qui, comment dire, pour faire ou prendre poids, etc. Mais si la plupart du temps, on mange healthy, mais de temps en temps, on fait un petit plaisir, ça,
les mieux. Et puis aussi, disons, un enfant peut sortir d'école. Il vaut mieux donner un healthy snack, disons, peut donner même ce du père, ou bien même un enfant une fesse pâte chapati, ou bien un petit crêpe, qui, quand il est fini, il vient manger un paquet de biscuits. Né. Donc, on va dire, sa portion, c'est important. Si il arrive, il mange ce gâteau, donc, il vaut mieux quand il se vend finir rempli, il a fait du plaisir, un petit biscuit. C'est pas un petit carré chocolat, mais si dans les bégains extra fins là, ça a un biscuit à pas passer, les quand ils mangent un paquet net, là il n'est pas bon pour la santé. Non, c'est dangereux, oui. Et sinon, donc ça c'est pour le déjeuner, donc nous quand même mangent autant qu'il nous l'est, nous quand même mangent du riz. D'ailleurs, nous pourrions venir un petit guide pour là, t'as la question du riz, parce qu'ici dans Maurice, c'est un bon caravane, imaginez-nous, pas manger du riz, c'est ancré dans nous ben l'habitude, pour ne pas dire nous ben qu'il tire, nous bisamons nous tirer. Et c'est pour ça que très souvent nous mangeons nous tirer montagne tirer, à soir, quand nous, tout nous finit son petit travail, nous trouvons nous autour de la table, nous avons nous tirer montagne, nous mettons nos petits carrés là, enfin nous ben petits grains secs. Des fois nous disons ça, aujourd'hui nous pouvons faire un petit, disons un petit rougail poisson salé, un petit lentille noire, et c'est parfait parce que c'est exactement ce qui nous compte. Sauf qu'il n'est pas trop bon pour nous la santé. Non, c'est dire il n'est pas un problème au fait. Ah il, bon? Oui, il n'est pas un problème. Au contraire, même il y a une dimune qui a une hypertension, par exemple, dans du pain, si le minicène, il a aussi une diminuée quand c'est du sel dans du pain, longtemps, c'est la plus. Du riz, il n'est pas un problème. Mais c'est une portion qui est importante. Au fait, quand c'est du riz, du pain, mine, macaroni, tout ça qui nous mangeait, il dépend de qui va l'activité nous faire. Par exemple, un dimune sédentaire, il n'est pas carrément séparé comme un dimune qui peut dépenser. Qui peut dépenser beaucoup pour le travail, comme on a dit, ben travail dur. Donc, Maurice, comme on peut dire, nous, comme on a beaucoup de gens qui ont tendance à manger un excès de riz. Donc, qui fait parce que c'est pas ben, longtemps, tu peux manger comme ça, parce que tu peux bizarre de manger comme ça, parce que tu peux dépenser. Partir dans le moyen de transport, tu peux manger longue distance, mais maintenant, qui commence à être une phase de transport, un peu plus sédentaire, définitivement, si nous mangeons excès, et ça va une source d'énergie là, mais nous pas peut dépenser les là ça il peut amener à un surpoids, à éventuellement l'obésité. Donc ça veut dire normalement un repas équilibré contexte mauricien pour un dimune sédentaire, nous divisons en trois groupes, 2/5, même quand c'est qu'on peut prendre du riz, 2/5 libisins ou légumes, là 1/5 c'est pas pour les poissons grains secs. À cette obésité aussi, normalement, qui fait nous prendre poids, nous mangeons plus calories, mais nous pas dépenser aussi. Donc, activité physique, comme on dit à l'heure, il reste bien important. Donc, tous les jours, recommander ou faire ou l'exercice. Ou avec tous les jours, au moins 4-5 fois par semaine. Alors, pour Evine, à sa question, telle la nuspédélien, du riz, nous avons l'habitude de manger assez beaucoup hein, à Maurice. Et de plus en plus, nous tendons que c'est mieux quand nous mangeons des brown, c'est-à-dire du riz marron, du pain marron, avec du sucre roux. Alors, est-ce qu'il y a une différence et qui fait dans nous l'écho quand on ne prend pas du sucre blanc, la farine blanche, du riz blanc? Au fait, comment est du sucre, c'est comment on appelle ça, un sucre, du sucre même, du sucre blanc, du sucre roux, ça c'est un du sucre rapide. C'est-à-dire quand on nous prend du sucre pour monter direct dans nous l'écho. Donc, par contre, ben, du pain, du riz, macaroni, céréales, oatmeal, ça c'est un sucre lent. C'est-à-dire quand nous pouvons manger doucement, les coups, là, fait une casse-casse. Donc, au pan du sucre rapide, là, si un dimoun, pas prendre lit, pas arriver, non. Au contraire, il est mieux si pas prendre, parce qu'il nous a pas prendre du sucre, pas arriver, non, parce que c'est du riz, du pain, bine, macaroni, ça, tout ça, peut être ça a été un grand question, mon cas, il y a une question qui, des fois, demande un débat. Et là, un dimoun, il y a une coupe du sucre net, je ne veux pas prendre du sucre. Je te coupe du sel, enfin très peu, mais d'ici là, je te dis, tu n'arrêtes pas, prendre du thé sans du sucre, café sans du sucre. Est-ce qu'il est recommandé, justement, les bons pour nous la santé, qu'ils nous coupent du sucre autant? Oui, il n'est pas un problème, comme on me dit, parce qu'il nous dirait du pain, il peut désavigner du sucre. Au contraire, ça, il plie pour sustainer nous pendant un long moment. Ça veut dire, il pourrait lâcher du sucre là, doucement, pendant nous l'écho, et là, nous gagnons l'énergie pour un plus long moment. Par contre, si on prend une affaire d'eau tout de suite là, nous dit sucre monte un seul coup, et là, après, nous gagnons une baisse d'énergie après. Donc, par exemple, si on mange ou du pain ou bien aux céréales, ça nous peut avoir plus d'énergie pendant un plus long moment. Donc, même si on va prendre du sucre, il n'est pas un problème. Pas un problème. Quand un problème diabétique, il n'est pas supposé prendre un sucre rapide même. OK? Donc, mais vous n'avez pas raté à manger, comment nous dire, grand matin, ou c'est pas petite collation, midi ou manger, même le goûter, puis le soir dîner, allez, ou pas raté, ou ban repas. Et puis aussi, concernant, disons, obésité, je peux causer obésité. Donc, bien pourtant, hydratation. Parce que souvent, des fois, quand nous pas boire, nous déshydrater. Mais souvent, des fois, quand nous déshydratons, nous gagnons faim.
Mais c'est pas simplement qui nous peut faire, c'est nous les copains manquent de l'eau. Donc ça veut dire nous besoin que tout au long de la journée besoin hydrate nous, nous besoin boire nous de l'eau hydrate nous parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il nous peut manquer, c'est simplement nous manque de l'eau. Donc une bonne hydratation ça aussi pour aider bien sûr contre le surpoids tout ça. Combien de litres d'eau par jour? Ça dépend, donc avec 1,5 à 2 litres, pas de problème. Mm-hmm. Et aussi, nous n'avons pas une cause de méthode de cuisson. Hein, nous pouvons nous là, un petit moment, justement, hein, avec vous, parce qu'il y a pourtant qui nous comprend, qui nous bizarre, nous allons plusieurs fois dans sa plateau là, mais nous pas pour être comme si nous pas pour être encore une occasion pour rappel qui, quand nous pouvons cuire, nous devons faire attention, pas trop frire, surtout nous avons une méthode de cuisson. Qui est justement bon pour nous la santé. Nous pouvons nous là d'un petit moment. Nous pouvons aussi l'aubaine activité physique. Qui fait important qu'ils nous pratiquent une activité physique pour nous terminer l'émission. Mais avant ça, Madame Mouani me propose de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après pour nous entamer dernière partie de l'émission Azordi, l'eau saine créole. Je rappelle qu'Azordi nous cause l'obésité, mais surtout beaucoup la prévention qui nous vise à faire pour ne pas vivre obèse et pour rester en bonne santé. Donc, nous pouvons aborder ce sujet-là jusqu'à la fin de cette émission-là. Et je rappelle qu'existement, cette émission-là, c'est une émission qui est MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et le Bien-être. Pause musique. Ah non, mais non, c'est un cas. Au bois, déjà. Au bois, c'est qu'il n'y a qu'un national. Il m'a natué quoi, gosse, comme moi. Onye no mi you, onye no you me. What am I looking for? Say my God, he don't bless me. He giving me you, giving you me. Obuzi kife la chasha so, obuzi kife mi chasha me. My baby, you no say you got love for me. Aduko, aduko, apuko. When I call your name, you shakara for me. Me, no, 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 man. I'm gonna be your homie, your new girl. Me, my Julie. No, 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 man. I'm gonna be your homie, your new girl. Me, my Julie. Give me your heart, I don't go run away. Show me your love, I don't go use you play. Carry me, go me, I go follow way, follow you, oh. Me and you, me and you. Okwa mona ki my baby. Me and you, me and you. Okwa mona ki my baby. Obuzi kife la chasya so, obuzi kife mi chasya mi. My baby, you no say you got love for me. Hey, aduko, aduko, akuko. When I call your name, shakara for me. Hey, no, 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 man. I'm gonna be your homie, your you gon' be my Julie. No, 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 man. I'm gonna be your homie, your you gon' be my Julie. Uju, uju, uju. No, 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 man. I'm gonna be your homie, your be my Julie. Oh.
nous sommes de retour sur le plateau pour notre dernier partie de l'émission Azosie avec nos invités, Romina Oumani, qui est nutritionniste dans le ministère de la Santé et du Bien-être, Nupekos, l'obésité, mais surtout une solution hein, à ce problème-là en prévention qui nous a pas fait. Et avant la pause musique, Nupekos, beaucoup, produit, denrées de base, comme on appelait, blanc. Alors, quelle est la dangerosité? Est-ce qu'ici nous prend beaucoup d'ici, que l'ICAV a directement l'organe? Est-ce que l'ICAV développé, il faut mener la graisse? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, donc il y a un excès d'ici qui diffère dans l'ICAV. Donc c'est, comme on disait, il y a un ici rapide, ici blanc, rouge, donc on mangeait, c'est ça, il y a mis de nulle énergie. Mm-hmm. Maintenant, si nous pas des dépenses, disons, on a initié aussi une nouvelle étude, nous trouvait qu'il Maurice déjà nous peut prendre. Plus d'ici qui nous supposait. Mm-hmm. Donc, ça excès d'ici, là, il y a d'ici caché aussi. Il y en a beaucoup qui prennent, par exemple, dans un gâteau, dans une boisson gazeuse, mm-hmm. dans une petite bouteille de 500 ml, quand même, il y en a 11 qu'il y a d'ici dedans. Mm-hmm. Donc, tout ça, un excès d'ici, là, là, si nous ne pouvons pas dépenser, là, il vient de la graisse. Mm-hmm. Quand il vient de la graisse, il commence à accumuler, comme on dit, dans nos décos, dans nos organes, dans nos peaux. Hein? Mm-hmm. Donc, il allait accumuler. Mm-hmm. Et ça, il contribue à problème de surpoids, obésité. Mm-hmm. Et comme on dit, obésité en lui-même, il y a une maladie, au fait, et il entraîne d'autres maladies. Et mm-hmm. c'est ça qui n'est pas trop bon, un excès de sucre. Mm-hmm. Même affaire de graisse aussi, nous besoin, comme c'est quand nous PQ ici, diminuer la graisse. Hein. Donc, malgré qu'il a, contrairement à le sucre, nous trouvons des sucres rapides, ça nous besoin couplé. Mais par contre, la graisse, il ne fallait pas nous coupler net. Nous avons plutôt différents types de graisse. Donc, il ne fallait pas comme nous pas mettre pas de l'huile dite ou bien qu'il ne pas prendre la graisse dite, tout ça, non. Parce qu'il nous décobissait la graisse, parce qu'il nous avons une vitamine qui absorbée. Par exemple, si nous avons certaines, par exemple, vitamine A, D, EK, donc il bisait la graisse qu'on n'a pas absorbée. Mm-hmm. Après, nous avons une bonne graisse, par exemple, un oméga 3 qui est important pour l'équerre, il est important pour le cerveau, un oméga 3, on trouvait même qu'il y a un anti-inflammatoire. Donc, c'est pas une bonne graisse. Hein? Donc, une bonne graisse, ça, comme nous avons dit, par exemple, dans un poisson. Hein? Un oméga 3, nous avons dans un poisson, dans un bon début végétal, right? dans grain de lin, dans chiacide, ça nous a oméga 3, dans tout un nut, ça, c'est pas une bonne graisse, mm-hmm. hein, dans vos cas. Mais une mauvaise graisse, là, et non, ça, la graisse saturée, et une trans fat, ça aussi, c'est pas une mauvaise graisse. Donc, une mauvaise graisse, de faire que les cérols montent, de bloquer l'artère, et éventuellement, il y a un problème d'équilibre. Mais tout est de la graisse, même les bons, même les mauvais, même des huiles d'olive ou une bonne graisse, mm-hmm. si vous prenez en excès, vous pouvez faire, vous prenez poids. D'accord. Mm-hmm. Alors, justement, là, nous pouvons venir l'eau, une méthode de cuisson. À Maurice, encore une fois, nous avons aussi l'habitude de frire, nous comptons frire, parce qu'il arrive tantôt, ou bien pendant le week-end, nous avons pris un petit snack pour ne pas dire gajak. Donc, très souvent, c'est un petit peu le cas. Donc, qui nous besoin fait, là, Madame Oumani, comment est-ce qu'il nous besoin cuit pour être en bonne santé, pour éviter d'un problème? Oui, donc, méthode de cuisson, comme on a dit, important. Donc, Maurice, souvent des fois, nous, comme on peut dire, nous mettons un petit fritier, nous comptons. Donc, de temps en temps, rarement, il dit, OK, mais toujours, privilège, une méthode de cuisson, que tu sais, moins de l'huile. Mm-hmm. C'est pas en mettant des loulous fricassés, ou faire sauter, ou cuire dans le four. Même, par exemple, évidemment, deep frying, parce que quand on peut frire, par exemple, Maurice, beaucoup de gens qui ont frire poisson. Donc, poisson, comme on a dit, il y en a beaucoup, une bonne graisse, un oméga 3, mais seulement quand on peut frire li, ça va une bonne graisse, il y a l'eau de l'huile là et au pied du lit. Donc si vous capable par exemple faire à la vapeur ou bien griller li ou bien cuire cuit dans carré ou bien mettre un petit peu de l'huile ou saute li, mais évite toute bonne façon une méthode de cuisson que tu peux servir comme serait beaucoup de l'huile peut frire beaucoup. Alors moi connais il y a beaucoup de gens pas comprendre ça qui vous dire pas frire poisson, c'est un peu difficile parce que ça l'odeur là il pas crie. Donc, quand on dit nous faire à la vapeur ou bien nous griller les, nous quand mettre dans le four, est-ce qu'il nous cave au moins zette un petit filet de l'huile là pour comment dire au moins les connais pas ça goût hein? Oui, bien sûr, même au pémetti, vous mettez un petit peu de l'huile pour les pas, disons, coller. Mm-hmm. Et puis, vous pouvez mariner surtout, mettre du limon, mettre des herbes, des épices, vous pouvez mariner un peu en avance au frigidaire. Mm-hmm. Et là, comme ça, vous coupez ça goût, comme si c'était cru là. Mm-hmm. Et là, vous pouvez, même bon, vous pensez, vous longtemps, tu peux cuire carré, pas tu peux frais, tu peux mettre des cris dans carré, tout ça là, non, mm-hmm. carré, poisson, tout ça. Mm-hmm. Donc, essayez quand même, sans méthode de cuisson, évite. Tous les temps, on friture, puis tu fricasses, même au cas grillé dans le four, on met dans le curry. Mm-hmm. Et puis aussi, disons, au lieu qui, par exemple,
quand on fait frire, frire, ça a de l'huile là aussi, il est toxique. Si arrive au frire aussi, il ne faut pas garder l'huile là ou réserver. Parce que ça aussi, il est aussi dangereux, il est cancérigène, donc il augmente le risque de problèmes cancer, même problèmes cardiaques. Parce qu'il nous trouve les quand on une frêlée, une fois, des fois, c'est vrai, nous avons fait un peu d'économie, nous disons comme ça, des huiles peut-être, hein, nous pas envie d'être lit comme ça. Mais quand une frêlée, une fois, des fois, nous sentons déjà des huiles là, ils sont hein, l'odeur, mais elles sont aussi texture, les vignettes un peu plus jaunes, un peu plus marron. Donc, ce n'est pas bon pour la santé, c'est ça? Oui, exactement. Hein, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, et puis, bien sûr, comme on a une causée, méthode de cuisson. Et puis aussi, disons, man, souvent des fois, quand on peut cuire aussi, disons, man, pas juste quand on a de l'huile, donc, man, mayonnaise, la sauce. Donc, ça aussi, ça prend en considération. Hein, pas souvent, même une spécose pour l'école, pour les enfants qui peuvent amener. Donc, même ban processed meat aussi, ça aussi contient beaucoup de graisse. Par exemple, saucisse, burger, condon, nugget, fish finger. Donc, tout ça là, donc, il besoin de modération. Déjà, l'OMS, ils ont trouvé que ça ban la viande transformée là, ça aussi, il augmente le risque de problème de cancer, tout ça. Donc, surtout quand c'est l'intestin. Donc, essayez si vous avez envie, oui, vous pouvez préparer ou burger. Donc, vous pouvez finir faire beaucoup de préparation là, la veille. Enfin, depuis avant, vous pouvez craser poulet, craser pas, vous faites ce yann, vous pouvez finir préparer cutlets ou van burger, là, grand matin, ça me m'a servi. Donc, comment on utilise le côté d'ailleurs pour amener dans, enfants, dans différents enfants, on a tendance à faire une affaire facile. Donc, si vous avez fini préparer tout depuis en avance, ou mettre dans le freezer, là, le matin, il n'est pas plus difficile. Surtout même laver, vous pouvez finir pour carottes, finir couper les légumes, finir couper les brèves. Là, le matin, vous pouvez finir ce pas poulet là, vous mettez vos légumes. Comme ça, les enfants là aussi, ils peuvent gagner un bon repas équilibré. Mais pas plaisir, frire, mais dans le dîner, parce que même l'école, quand on était, beaucoup de petit déjeuner, et presque la plupart des enfants amènent même l'école. Pour les ça veut dire saucisse, burger, comme une tomate friture. Donc, et c'est à nous, comme c'est de prendre responsabilité, de faire un bon planning depuis avant. Comme ça, nos enfants aussi, ils mangent sainement. Donc, ça, c'est pour éviter, encore une fois, hein, parce qu'il nous dit, allez, depuis le début de l'émission, nous propose beaucoup la prévention. Et qu'en est-il de même type d'huile qui nous servit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'huile d'olive, nous faire frire dans de l'huile d'olive, est-ce qu'il est bon? Donc, il y a différents types d'huile. Donc, il y a même de l'huile pour, de même de l'huile d'olive qui vous cave faire cuisson. Donc, il y a différentes gammes qui vous cave. Mais plutôt, quand même, de l'huile qui n'est pas recommandée, c'est même de l'huile qui n'ajoute de l'huile pomme dedans. Même de l'huile pomme, c'est même de l'huile saturée, donc qui fait que le cholestérol monte. Donc, c'est même de l'huile, il ne faisait pas pure soya, pure canola. Il ne faisait pas même blended oil que tu trouves dans de l'huile pomme. Ça, c'est... Mais est-ce qu'il est facile pour trouver là, ça quand on peut acheter de l'huile, nous trouver oui, comment bien comment sûr, nous reconnaître qu'il s'agit de l'huile lapin à palme là-dedans? Ça vient juste où l'huile ou guetter. Ça vient si il manque disons de l'huile disons sunflower, il peut être pure sunflower oil, pure canola, pure soya. Mais si il est blended oil, quand vous lire, vous trouvez l'huile mélange de l'huile pomme dedans. Donc ça c'est un engrais saturé. D'accord. Et qu'en est-il une mention telle là d'hiver et margarine, lesquels qui mieux? Les deux, c'est bon, comme je dirais, les deux, ils passent à consommer avec modération. Avec modération. Hein, les deux avec modération. Hein, les deux avec modération. Donc, et puis aussi, une type cause dans l'activité physique. Oui. Hein, dans l'activité physique. Donc, activité physique pour les enfants, ils recommandent surtout si les enfants ont un problème de surpoids. Donc, l'OMS, ils recommandent qu'ils fassent un temps d'activité physique par jour. Hein, mais même la marche rapide, ça aussi, ça aussi, c'est un bon exercice. Donc, activité, il n'est pas seulement aide à prévenir l'obésité, mais aussi aide à prévenir les autres maladies aussi. Hein, il diminue le risque également les autres maladies comme un problème de diabète, hypertension, même pour le mental aussi, l'exercice est bien bon. Donc, important, donc régulièrement, c'est qu'ils peuvent faire l'exercice. Donc, nous comment dire, encourage eux, faire des efforts, mettre dans notre agenda que tous les jours, ou bien 4-5 fois par semaine, bizarre pratiquer une activité physique, même pour mes enfants aussi. D'accord, on arrive presque à la fin de l'émission. Aujourd'hui, Madame Oumani, le temps passe vraiment vite. Donc, qui vous dit à nous pour conclure l'émission? Donc, pour conclure l'émission, alimentation, l'hygiène, un rôle bien important. Right?
Donc, pour se dresser en bonne santé, il est important de manger sainement, manger équilibré comme on dit. Fréquence manger est important, il ne faut pas rater aucun repas. Nous trouvons besoin de diminuer la graisse, on prend une bonne graisse, nous besoin de diminuer la fête sucrée. Donc, on mange plus de légumes, de fruits. Donc, si nous mangeons sainement, nous faisons l'exercice tous les jours. Donc, ça, pour bien sûr diminuer nos risques, développer des problèmes, des maladies non transmissibles et même diminuer nos risques d'avoir des problèmes de surpoids et d'obésité. D'accord. Donc, ça, c'est le bizarre, comment dire, comment vous pouvez comprendre ce que vous pouvez dire. Le bizarre, investir dans nos efforts pour nous carver, nous tous ensemble, combattre. Hein, contre ce phénomène-là et comme on disait tout à l'heure là, nous tous nous amène une petite pierre à l'édifice nous car fait qui l'obésité réquille écoute nous. En tout cas merci beaucoup hein, Madame Oumani, on vient répondre à toutes nos bonnes questions aujourd'hui et nous dire ou merci ou qui suivent ça l'émission là l'Océane Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine où la santé parce qui n'en est pas plus précieux qui vous la santé et pas oublié. Continuez, ben geste, barrière, mets tout masque, lave la main pendant au moins 40 secondes avec des l'eau et savon. Et bien sûr, nous continuez, garde distance sociale entre nous et ban les autres immunes et faire ou boost dose. À très bientôt ici. Au 5.